plusieurs mois, on avait travaillé avec l'équipe du CFMI pour mettre en place et déterminer plusieurs fabrications possibles pour les élèves de ce stage. Et donc on s'est rencontrés plusieurs fois pour essayer de déterminer quel type d'instrument on allait réaliser. C'est avec la perspective de développer et de varier les pratiques instrumentales à l'école que nous avons mis au CFMI de Lille en place ces sessions lutherie sauvage pour musiciens civilisés depuis quelques années maintenant. Nous travaillons avec des ethnomusicologues, des organologues, des acousticiens. Nous sélectionnons certains instruments qui pourraient nous sembler intéressants pour un jeu collectif. Il faut qu'ils soient facilement fabricables, également par des enfants. Et nous sollicitons également des artistes du monde musical, de la scène musicale, pour concevoir des projets artistiques avec ces instruments. Donc on s'est inspiré un petit peu au départ de beaucoup des instruments qui sont plutôt des types de cordes des Alpes. On les a réalisés en section carrée, donc c'est pas la section qu'on trouve le plus couramment sur ce type d'instrument. C'est souvent des sections rondes qui sont données par le côté naturel du bois, par le côté naturel de la corne ou des éléments qu'on utilise depuis la nuit des temps. Et la section carrée, elle, a été dictée par la facilité de fabrication, c'est-à-dire de faire des coupes avec la scie, d'assembler avec des feuillures, de coller avec du papier ou différents matériaux. Et donc c'est plus rapide à réaliser. Alors après, on a essayé de chercher dans quel sens on pouvait... La folie esthétique, c'est une chose, et puis c'était surtout la folie sonore, c'est-à-dire de savoir comment on allait pouvoir modifier la sonorité d'un instrument, de quelle façon elle pouvait être modifiée. Donc là, on a puisé un petit peu dans toute l'iconographie, toute la bibliographie qui nous permettait de savoir que certains instruments fonctionnent avec des trous latéraux, d'autres fonctionnent sans trous, d'autres sont... on leur adjoint quelquefois des membranes vibrantes, des fois on leur adjoint des pavillons plus ou moins grands, des caisses de résonance. Donc on a essayé de jouer sur tous ces paramètres et tous ces facteurs. Je passe un pavillon, regarde, tu vois. Il suffit de refaire une coupe ici. Je refais une coupe dans ce sens-là ? Tu fais une coupe dans ce sens-là, mais tu ne la fais pas à 45 degrés. Tu vas essayer de calculer avec un morceau de papier l'angle. Un angle beaucoup plus ouvert. Tu le choisis, tu le dessines, tu le choisis et après tu le traces. La construction des instruments que les stagiaires ont réalisés, elle n'est pas faite par hasard. Ça correspond à des instruments qui existent dans des traditions musicales de par le monde. C'est-à-dire tous les instruments qu'ils ont construits correspondent à une musique très particulière, qu'ils ne connaissent pas forcément. Notre travail était plutôt de mettre en œuvre après le jeu et en perspective musicale cette construction d'instruments qui se faisait en amont. Donc le début du stage, c'est plutôt beaucoup de travail à bricoler, à commencer à sortir des instruments. Il y a tout d'abord les conques, les coquillages qui sont percés dans lesquels on souffle, qui est un instrument qui est finalement très important dans l'histoire des instruments avant, parce que c'est le premier des instruments avant que dans lequel les hommes ont soufflé, certainement. Et c'est un instrument qui est encore joué beaucoup aujourd'hui. Pas forcément par des musiciens professionnels, mais par des pêcheurs, par exemple, qui continuent à se faire des appels avec ces coquillages. On part ouvert, on ferme, on rouvre, on referme. Et quand on a rouvert, on finit son souffle. Et chacun jusqu'à ce que le dernier... Voilà. On essaie. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y a un moment où il y a un son, plusieurs battements, mais vraiment avec les harmoniques là, qui est assez haut. Ouais. Bon voilà, ça c'est super, mais c'est vrai que ça demande... Et puis quand on respire, en fait, quand on s'entend plus autant que d'habitude, on se rend compte que... Ah oh merde, c'est moi qui fais le son là. Enfin, en fait, oui, tu sais, y a des choses tu l'entends pas direct... Enfin, je me souviens en particulier d'un enregistrement d'un jardinier indien qui faisait une musique avec... qui soufflait dans deux petits coquillages en même temps, accordé à peu près au demi-ton,
Et il faisait avec ça une musique extrêmement rythmique qui ressemblait à une musique contemporaine extrêmement sophistiquée. C'est absolument extraordinaire. Ces modes de jeu existent, mais on ne les connaît pas forcément. Les gens qui sont ici connaissent la musique, la pratique d'un instrument avant, de manière classique, on va dire. Et ces modes de jeu sont relativement différents. Ils viennent de très loin et on les retrouve quelquefois dans la musique expérimentale d'aujourd'hui. En visite d'enfants et visite de parents et d'adultes, parce que les enfants qui reviennent dans le cadre de la classe ou de leur centre aéré reviennent le week-end avec leurs parents et se livrent à des séances de jeu avec les parents qui sont très 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 sympathiques. Nous présentons les instruments en vrai. Certains instruments peuvent être touchés et certains instruments, des répliques, des reproductions contemporaines, peuvent être joués par les enfants. Alors l'exposition est fondamentale à mon gré pour justement rappeler que ces instruments sont très très simples, rappeler le principe du fonctionnement, le buzz, cette vibration des lèvres. Et on va faire dedans. Qu'est-ce qu'il veut essayer ? Tiens, essaie, vas-y. Pose-le. Voilà. Encore ? On a trouvé intéressant de meubler cet espace très, très agréable de la ferme d'en haut avec des trompes qui mènent leur vie en autonomie, qui sont alimentées par des compresseurs et qui font vibrer ces lieux. Ça installe le visiteur, mais également les stagiaires dans une ambiance un peu particulière. Donc on fait vibrer cette atmosphère. Ça offre un cadre propice pour le développement de l'imaginaire. Les musiciens s'en emparent, vont jouer au milieu de ces installations. Donc ça, ce sont les installations de Thierry Madio avec des très très grandes trompes en extérieur. Et nous avons également demandé à Serge Durin d'un autre type d'installation plus intimiste qu'on a installé dans la dernière salle de l'exposition pour clore un peu ce parcours. Et c'est un instrument qui ne peut plus jouer des notes et en même temps c'est organique.
Et là, ça commence à se compliquer. Là, c'est intéressant. C'est-à-dire, il y a un côté de... Il y en a une qui est très sur la respiration, près, ou le rythme cardiaque, ou il y a un mélange, de... enfin, dans mon imaginaire en tout cas, dans ceux qui l'écoutent peut-être. Donc, il y a une espèce de limite de beaucoup de choses. Je trouve ça en même temps organique, en même temps, ça passe vite faire l'électronique. Et j'aime ce... brouiller les pistes, comme on sépare la musique électronique qui serait pas. Alors, et puis inversement, l'organique, c'est un rôle important. Enfin voilà. J'ai voulu aussi essayer de mettre en place ici, dans l'exposition, une partie installation avec quelques troncs que j'ai réalisés. Toujours cette même esthétique qui fonctionne sur... En fait, là, c'est plus la bouche qui va permettre la formation du son, l'excitateur. Ça sera donc des tubes en plastique. Ce qui est surtout intéressant avec ce type d'instrument, c'est de pouvoir moduler les pressions d'air et aussi jouer sur les membranes avec la bouche, avec des objets. L'idée d'inviter les deux musiciens qui étaient là hier soir, c'était aussi l'idée de montrer aux stagiaires avant tout deux manières différentes de partir d'un instrument traditionnel et de le porter dans une musique d'aujourd'hui. Soit du côté de la musique contemporaine ou du côté de l'improvisation avec des codes de plus de jazz. Et c'est ce que ces deux musiciens font parfaitement. Et on a entendu très nettement ce matin que ça a fait avancer incroyablement les musiciens sur le jeu de l'instrument. Ils se sont sentis plus libres parce que c'est toujours pareil. Quand on sait que ça est possible, quand quelqu'un a montré quelque chose, c'est beaucoup plus facile de le faire que quand on doit le trouver tout seul. J'étais très content hier soir de ce concert parce que ça semblait complètement en adéquation avec le travail qu'on fait avec les stagiaires, justement, aussi de les faire travailler sur ces deux types en fait de musique possible avec ces instruments traditionnels. C'est-à-dire que là, évidemment, on oublie le jeu traditionnel parce qu'on ne va pas en quelques jours essayer de recréer une musique qui demande quelquefois toute une vie de travail et de compréhension, etc. Ça fait pas de sens. Mais par contre, on peut assez vite aborder des problématiques plus contemporaines. Et ça, je pense que le fait d'entendre les deux musiciens hier soir, ça les a fait beaucoup avancer, je pense. Thank you.
Voilà, et puis une vingtaine de stagiaires qui vont donc construire des instruments et se livrer à des séances d'exploration, de jeu, pour assurer le concert de fin de stage.
Thank you.